sortir. On va s'éclater, pas croyable. Place aux amis, tout pour le fun. Profitons-en tant qu'on est jeune. C'est décoiffant et bourrifant. C'est le monde des adolescents. C'est décoiffant et bourrifant. Musique, magie et fringues, ça nous rend folle. Bienvenue dans mon Détros. On reste cool et ça roule. Sauvons le monde de ses ennemis. Jamais lâcher, jamais renoncer. Un monstre au tapis et c'est parti. Yeah! C'est décoiffant et bourrifant. C'est le monde des adolescents. C'est décoiffant et bourrifant. Musique, magie et fun, ça nous rend fun. Bienvenue dans mon Détros. Ramasse! Rollinette plus magie égale grave, grave problème. Ah! Ruby, qu'est-ce que je suis contente de te voir. Tellement contente que tu me piques, mon copain. Je le connais. Mais c'est toi, Rock. Ah bon? En ce qui me concerne, t'es viré de la bande. Waouh, t'es dur. Toi aussi, tu prends sa défense. C'est fini entre nous. Ouais, on a déjà cassé tous les deux. Garde-en le souvenir dans un coin de ta tête. Ça veut dire que j'ai la tête en carré? Allergique au feu rouge. Dépêche, j'ai rendez-vous. Vert. Pas de barrière au monde entre moi, mes copines et notre QG. Trolls de police, j'arrive. On se tait. Je suis pas une mauviette comme... Comme qui? J'étais sûre que vous seriez à la base comme d'hab. Je l'ai bien regardé et je lui ai dit: tu t'en prends à mes copines, tu t'en prends à moi. Je te le répéterai pas deux fois. C'est dur, mais juste. Salut les filles. Je viens de rentrer de vacances. Rien ni personne ne passe avant les copines, même un garçon, sauf s'il a les yeux bleus. Hé oh! C'est moi, Améthyste. Vous vous rappelez pas? Je viens de passer l'été chez ma grand-mère. Oh oh, c'est l'heure du petit coup de peigne, frise ou troll. Topaz va commencer par moi. Pas question, je suis arrivée ici avant toi. Ruby, Topaz, Onyx, Saphir, serais-je devenue invisible? Oh. Améthyste? Améthyste chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Je viens de faire un rêve horrible, maman, je m'y croyais vraiment. J'arrivais à la base et mes copines, elles m'ignoraient totalement, comme si je n'existais pas. Tu n'as pas changé à ce point-là pendant tes vacances, rassure-toi. Même si c'était le cas, l'amitié se transforme parfois. Il faut savoir s'adapter à ces changements. Tu vas me décoiffer.
pas d'embrassade. J'ai horreur de ça. C'était pour rire, ma petite chérie. J'en reviens toujours pas. On était là, tout ensemble, et c'était comme si je faisais plus partie de la bande. Ah, tu sais, c'est impossible. Bah oui, les amis, c'est comme les boîtes noires, indestructibles. Comment être meilleure amie pour toute la vie si on ne commençait pas déjà par l'être maintenant, dis-moi. Topaz, je sais pas, mais il y a des fois où tu me fais peur. Oh, paquet cadeau à 3 heures. Mais il n'est que 10h30. Oh, ma montre a dû s'arrêter. Oh, juste en face, là. Oh. Craquant. Décoiffant. Mieux, ébouriffant. Bouleversant. J'ai l'impression que ce serait sympa de réviser les cours avec lui, non? À ce stade-là, on ne peut plus rien faire pour elle. Désolée, les filles, j'ai un truc qui me trotte dans la tête. Et on peut savoir quoi? Ben, c'est un secret, je veux dire. Vas-y, parle! Oui, mais franchement, je sais pas si je devrais vous le dire. Oh, pourquoi pas? Tu dois! J'écoute. Ma pierre est devenue lumineuse. Super génial. Hyper cool. Méga. Il était temps de te joindre au club des quatre. Montre-nous ce que tu sais faire. C'est que je ne sais pas si je dois. Ma grand-mère m'a dit d'économiser les perles d'ambre qui coûtent très cher. Tiens, j'en ai autant que tu veux. Merci, Ruby. T'es comme moi. Tu possèdes le pouvoir de transformation maintenant. Sur qui je vais pouvoir faire une petite démonstration? Pas sur moi. Tu me vises et je te change en ver de terre. C'est beau l'amitié. J'ai trouvé. Un petit relooking ne lui fera pas de mal. Toi qui es aussi séduisante qu'un vieux torchon, deviens ravissante comme un papillon. Un brushing aurait suffi, alors que là, on risque d'avoir de gros gros problèmes. Eh, lâche-moi les baskets. C'est pas le top, mais ça s'améliore. Peut-être, mais toi, tu ne t'améliores pas. Eh, la petite nouvelle, on va avoir besoin d'aide. Oh, je sais pas, j'ose pas. Allez, il faut te lancer, Améthyste. Enfermé dans un corps qui n'est pas le tien, comme tu l'as toujours souhaité, redeviens! Wow! Super! Génial! Oui, tu es la reine de la métamorphose. Waouh! L'équipe a une nouvelle étoile de la magie. Étoile filante, c'est le coup de chance des débutants. Tcha, il y a une différence entre une star et une étoile, comme ma coiffure le prouve. Viens, Topaz, à notre tour de calmer la reine de la tragédie. Onyx, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Rien. Ruby n'aime pas qu'on lui vole la vedette. Ça lui passera. C'est triste, mais mon dentiste m'attend dans sa chambre de torture. À plus. Mais une colère pareille, c'est pas vrai. Mon cauchemar devient réalité. Je ne fais plus partie de la bande. 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 Je ne sais pas pourquoi ma mère dit que je suis désordonnée. Mon album, exactement là où je t'avais laissé. Hé, au revoir.
que je mette ma photo à jour. Bon, enfin, voyons les meilleurs souvenirs. Camping à 8 ans. Attention, tu vas me décoiffer. Hey, j'ai une bonne idée. Si on faisait la pyramide du pouvoir des filles. C'est parti. Améthyste, tu te mets en bas avec Onyx. À tes ordres. Comment ça se fait qu'on est toujours en bas? Passons à 12 ans à la cascade enchantée. Tout le monde est prêt? Bon, je compte jusqu'à 3 et... Oh non, la caméra s'est renversée. Améthyste, tu veux pas aller la tenir droite? À tes ordres. Vous y êtes? 1, 2 et 3! Pouvoir des filles! Maintenant, je comprends pourquoi je n'ai plus ma place dans la bande. Tout ce que j'ai réussi, c'est à suivre les autres et à faire tout ce qu'elles voulaient. C'est pas bon pour moi. Oh, un wawa. Tu veux faire quoi? Ben, tout ce que je pourrais pour retrouver la place que j'avais. T'as déjà monté une marche. T'es dans le monde impitoyable des ados. Tu crois? Oui, et sûr que Topaz et Saphir pensent comme moi. T'es une grande fille. Tu seras meilleure que Ruby pour certaines choses. Mais je ne veux pas que ça la remonte contre moi. Comment je dois m'y prendre? Laisse faire les choses. Mais tu la joueras au sentiment comme je te connais. Petit, on ne vient pas dans mon établissement juste pour me prendre en photo. Tu commandes quelque chose ou tu restes là planté comme un clou? Planté comme un clou. Écoutez le gémir, hurler avec les loups. Lui et son torchon, moi et mon crayon. Waouh! Mais où vais-je chercher tout ça? Salut Flint, tu n'aurais pas vu Ruby? J'étais tellement en tête-à-tête avec l'inspiration pour mon poème que j'ai même pas vu passer le temps, ni Ruby. Ah, bon, merci. Attends, attends, t'en vas pas. Je t'écoute. Je suis un peu fatiguée des neurones. En fait, j'ai vu... Hé, Flint! Devine qui vient de lever la barre à 100 kilos sur une seule jambe. 5 fois de suite. Merci, c'est mon record personnel. Hé, crâne musclé, ramasse-moi ça. Waouh! On devrait faire connaissance tous les deux. C'est déjà fait, Rock, je suis améthyste. Améthyste? Waouh! J'ai connu une fille pas mal qui s'appelait Améthyste. Ben oui, c'est moi. Waouh! Tu parles d'une coïncidence. Ah! Tu es comme le requin chassant dans les profondeurs des océans bleus. C'est à force de sécher le cours de bio pour faire de la muscu que j'ai des bras d'acier. Elle commence par exploser la bande et maintenant la voilà qui tourne autour de mon copain. Ah bon? Parce que tu sors avec Rock? Enfin, je ne lui ai pas encore dit, mais c'est tout comme. Le requin chassant dans l'océan bleu se prépare à l'attaque. Ruby, je suis trollement contente de te voir. Tu parles, tu m'as trahi, Amélie. Non, pas Chippy, Améthyste. Écoute, Ruby, je regrette ce qui est arrivé. Tout ce que je veux, c'est revenir dans la bande. Bah, voyons. Et la meilleure façon d'y arriver, c'est en piquant mon copain. Je le connais. C'est toi, Rock. Sérieux? Je te jure, je n'ai jamais voulu te piquer. Tu prends une fusée, tu décolles pour Jupiter et tu y restes. En ce qui me concerne, t'es out, viré, zappé pour toujours. Pour toujours? T'es dur avec elle. Ah bon? Toi aussi, tu prends sa défense. Terminé, fini entre nous. Waouh! On vient de casser tous les deux? Bah, garde le souvenir dans un coin de ta tête. Comment? Tu veux dire que j'ai la tête carrée? Je prends le séchoir du milieu. C'est le meilleur poste d'observation pour voir passer les garçons. Tu veux dire que t'arrives à te sécher les cheveux et à reluquer les garçons en même temps? Waouh, t'es trollement forte. Ah, alors,
Tu vois, qu'est-ce que je te disais? Un seigneur beau comme tout à l'horizon. Regarde, améthyste, c'est le genre parfait pour... toi. Oh. Elle se met toujours sous ce séchoir-là. Améthyste te manque, c'est clair. Qui a dit qu'elle me manquait? Et ce serait peut-être moi. Un topaz, je me demande parfois comment t'arrives à t'habiller toute seule. Mettons les choses à plat. Onyx, tu sais qu'Améthyste veut réintégrer la bande, exact? Tout à fait exact. Et toi, Topaz, tu sais que Ruby voudrait qu'Améthyste revienne. Exact. Malgré ça, on le sait toutes les trois, ça ne risque pas d'arriver. Pourquoi? Parce que Ruby est trop orgueilleuse pour admettre qu'elle a tort. Ça, oui, super clair. Ce qui veut dire... voudrait dire qu'on ne peut rien faire et qu'on ne sera plus jamais amis pour toute la vie. Hein? Non, Saphir. Ça veut dire qu'on doit faire quelque chose de spécial. Quelque chose de risqué. Tu ne penses pas une seconde à la ma... Tu ne voudrais pas parler de... magie? Oh, c'est trop dur. Salut, Améthyste. Quand je passais devant chez toi, je me suis dit que j'allais te faire un petit coucou. Oh, c'est impossible. Je suis incapable de faire des excuses. Allô? Salut, Ruby. Salut, Topaz. Tu fais quoi? Onyx et Saphir vont se retrouver à l'ancienne clairière. Oh. Tu sais, là où on allait faire du camping. Génial. C'est comme si j'y étais. Salut, Topaz. T'as des nouvelles de Ruby? Bien, elle aimerait te dire qu'elle regrette de... enfin, tu sais, de t'avoir zappé et tout ça. C'est vrai? Oui, le problème, c'est qu'elle n'est pas à l'aise pour te le dire comme ça. Elle se demande si tu serais d'accord pour la retrouver à la clairière, là où on allait camper. Dis-lui que c'est comme si j'y étais. Ruby? J'adore faire la fête et j'ai le look parfait pour ça. À vous de jouer. Bleu saphir et feuilles de laurier, que Topaz en ogre soit transformé. Qu'est-ce que vous en dites? Pas croyable! On va voir si une grosse frayeur peut les rapprocher. Oh! Améthyste, mais... Ruby! Elles m'ont dit que tu serais là! Qui t'a dit que je serais là? Quand je dis elle, c'est surtout Topaz. D'après elle, tu te sens un peu mal depuis que tu m'as rejetée. T'es complètement à côté de la plaque si tu t'imagines que je me sens mal parce que... Qu'est-ce que c'était que ça? Dans les bois, on s'imagine toujours un tas de choses. À craindre. On est avec toi. Oh, oh. Sauf Kipper. Non, pas de panique. Ce n'est que Topaz. Hey, je vais t'apprendre à faire du mal à ma copine. Un petit instant là. C'est pas du jeu. Personne m'a dit qu'il y avait des risques. Arrête, Ruby. Hein? Pourquoi? Parce que c'est Topaz. Topaz? C'est clair! Bah oui, quoi, regardez! Vous avez déjà vu un ogre avec du rouge à lèvres! Ça veut dire qu'Améthyste n'a jamais été en danger?
Nous savons toutes ce qu'améthyste représente pour toi. T'avais besoin d'avoir une piqûre de rappel. Merci de m'avoir arraché aux griffes de Topaz. Ah, de rien, mais ne te fais pas trop d'idées. J'aurais porté secours à n'importe qui. N'importe qui? Oui, enfin, n'importe qui m'aurait manqué et qui aurait été éjecté de la bande. Ah, trop facile. Tu ne m'en veux pas d'avoir changé pendant l'été? T'en vouloir parce que tu as mûri, que tu ne te laisses plus mener par les autres? Oui, c'est un peu ça. Oh, de toute façon, j'en avais vraiment assez de l'améthyste ancienne version. On redevient amis comme avant? Pas seulement amis. Meilleurs amis et pour toute la vie. La base est encore ouverte. Une tournée de glace, c'est pour moi. Ouais. Vous oubliez une chose. Vous n'allez pas me laisser comme ça. C'est quand tu veux, Saphir. S'il trouve que sa chevelure manque de couleur, qu'une touche de rose lui fasse comme une fleur. Bah, je suis pas vraiment sûr que ça marche. Bon, ça te fera un bouquet pour la fête des mères. Ben, il se passe des trucs bizarres là-dedans. Oh, la tuile. Quoi, la tuile? Il y a des squatteurs. Ah. Good job!